Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Sauf pour moi. Ouais, lui c'est demain. Et du coup, on a déposé Nolan Aria, donc tout s'est bien passé. Bon bah Aria elle rentre en grande section maternelle, Nolan au CE2, donc oui c'est pas une genre d'étape pour eux, donc ça a été rapide. Hein. Nolan, bizarrement, ça a été, il a pas trop fait la gueule, c'est bizarre. Mais ouais, il est parti, mais en boudant quand même. Ouais, mais bon, mais de toute façon, il est jamais parti à l'école avec le sourire. De toute façon. Donc voilà. Et Aria, elle était pressée quand même de retourner à l'école parce qu'Aria, je vous avais déjà dit, elle aime bien aller à l'école, elle adore être avec. Elle était timide par contre. Ouais, elle faisait ça timide. Ouais, parce qu'elle comprenait pas trop pourquoi les parents rentraient dedans, prenaient le temps. Il y en avait certains petits qui pleuraient et tout. Donc du coup, ça l'a un peu perturbée. Parce qu'elle aime pas voir les... Ah ouais, elle déteste voir des bébés, ça l'angoisse. En fait, dès qu'elle voit un bébé pleurer, elle panique. Elle panique, elle se sent triste, truc de fou comme elle réagit. C'est vrai, à chaque fois qu'elle voit un bébé pleurer, en fait, elle a trop peur, elle pense qu'il a mal, en fait, le bébé. Donc du coup, elle est tout de suite paniquée. Elle est protectrice, en gros, genre... Ouais. Elle veut protéger les bébés. Ouais, elle est trop peinée de voir un bébé pleurer, quoi. Donc voilà, nous, on est à Carrefour parce qu'il me semble qu'il y a une promo sur la lessive, mais il faut que je voie. Parce que là, c'est un Carrefour Market et je crois que la promo, c'est que à Carrefour. Donc on va voir. Ensuite, il faut que j'aille vite fait chez Action pour une connerie. Et après, je vais me faire percer le pifard. Voilà. Ce matin, je me suis réveillée à 4h du mat. Hein? Ouais. Mais moi aussi, genre en gros, cette nuit, bah, je faisais que me... Ouais, j'entendais que tu faisais que tourner dans le lit. Genre en gros, dès que je m'en rendormais, je me réveillais, j'ai l'impression tout de suite. Ouais, moi j'ai mal dormi, je me suis endormie, j'ai eu du mal à dormir, je me suis endormie, je crois que c'était 1h, je me suis réveillée à 4h. Et après, j'ai plus dormi. Enfin, voilà quoi. Je sais pas si c'était l'impatience ou un peu de stress quand même. Je sais pas. Pourtant, je suis pas du tout du genre à être stressée pour une rentrée scolaire. Alors là, loin de là. Elle est heureuse. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est une rentrée quoi. Donc, moi, j'ai jamais stressé pour ça. Mais là, je sais pas ce que j'avais. Donc, voilà. Allez, on y va et on vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on vous retrouve. Ça y est. Je suis allée me faire percer, ça y est, c'est fait. Bah montre-leur, rapproche-toi. Bah, je le montrerai à la maison, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Bah, évidemment, moi je crains pas hein, les piercings. Hein. Si vous vous posez la question, si ça fait mal, je vais toujours vous répondre non. Parce que moi, si je suis pas sensible à la douleur, les piercings, bon, on sent un pic, bon voilà quoi. Mais cool, non, cool, elle l'a bien fait et tout, nickel. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas ce que je voulais là, la petite puce comme ça, mais bon, pas le choix. Hein. Elle m'a dit que il faut attendre que ce soit cicatrisé pour changer et mettre un anneau. Donc, vu que moi je mets 3 plombes par contre à cicatriser, moi c'est un truc de fou. Hein. La cicatrisation chez moi c'est un enfer. Ça a toujours été très compliqué. Tous mes piercings ça a été long, bon voilà quoi. Donc, je sais que. Ça se trouve d'ici 3 mois je vais encore pas pouvoir changer, mais bon, on verra bien. Et autrement, je vais demander aussi sur l'anti-hélix, celui que j'ai là-haut, que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, de me desserrer la boule pour que je puisse le changer moi-même, parce que ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai jamais réussi à l'ouvrir, enfin desserrer la boule, parce que c'est tellement serré quand il me l'a fait là que bah, du coup impossible à desserrer. J'ai cru qu'elle était en maillot. Mais elle est en brassière. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant il n'y a plus que la cicatrisation à attendre. Quoi. Là je vais chercher du sérum fille parce qu'elle conseille plutôt du sérum fille que de la biceptine. Parce que la biceptine c'est quand même assez agressif et surtout ça dessèche. Elle m'expliquait que ça dessèche la peau. Et ça fait des croûtes blanches. Ça fait des petites croûtes blanches tout autour. Donc je vais chercher de la biceptine. Non, mais du sérum fille. Toi, ça m'a déconcentré le fait qu'elle m'ait laissé passer la nana, parce que je me demande si c'était pas à moi de laisser passer. Ouais, et sinon.
a été à Carrefour, à Action. Je vous montre ça en rentrant. Là, on est sur le chemin du retour. Donc voilà, je vous montre ça en rentrant. Allez, on est rentré. Il est 11h03. Je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Action. Chez Action, on a pris des bonbons. Alors ça, c'est pour mes commandes Shogun. Je mets toujours un petit truc cochonnerie avec. Si c'est, en fait, c'est soit ça, ou soit je mets les mini muesli que je reçois là de My Muesli. Et quand j'en ai pas, je mets ça. Ensuite, ça, c'est pour nous. J'ai pris des petites enveloppes bulles comme ça. Il y avait enfin les bracelets pour Apple Watch. Ça faisait quelques temps que je les voyais passer en story un petit peu partout. Et je les trouvais pas dans mon Action. Et là, enfin, ils les ont mis. Donc, en fait, il n'y avait pas trop de choix. Il y avait noir en silicone, blanc en silicone. Cette matière-là, un petit peu élastique et réglable. Et en beige. Ou alors, sinon, il n'y avait que du noir. Donc, c'était pas trop ouf. Mais bon, le beige, là, il a l'air vraiment sympa. Il est joli. J'ai repris, comme d'habitude, l'huile à l'ail. Parce que vraiment, celle-là, elle vaut le coup. Elle est à 2,69€. Ça a aussi augmenté parce qu'avant, c'était 1,96€. Je me souviens très bien. Là, elle est à 2,69€. Donc, presque 1€. D'augmentation. Bah, on entre le panier direct comme ça on peut le mettre. Et du coup on a pris un petit panier pour monsieur bébé. Monsieur Obé, voilà. Normalement c'est un panier pour chat. Hein. Mais on va le donner à Obé, il va se perdre hein, là-dedans pour vous dire à quel point il est minuscule. Est-ce qu'il peut se détacher En fait on lui change parce que l'autre franchement il est dans un état. Là il faut changer. Le truc c'est que c'était le panier à Mimine avant. On lui a donné parce que Mimi n'y va plus et donc on a pris ça pour Obé. Voilà. Regardez les dents. Ouais, c'était. Vous savez, en plus ils sont bien ces paniers, mais là ça fait trop longtemps quoi. Tu peux le jeter ça. Ouais, non mais. Je n'ose même pas trop le toucher là, il pue. Bah oui, bah c'est normal après. Voilà. Bah mets-le dehors en attendant. Ensuite, chez Carrefour, j'ai trouvé ça. C'est. Vous savez, les plaques à pizza mais qui sont empilables, ça fait un petit moment que je cherchais ça. Mais à chaque fois je me disais ouais, sous 30€, 40€, sous c'est super cher, même 12€, enfin bon bref, je voulais pas mettre ce montant là juste pour des plaques comme ça. Et là elles étaient à moins 50%, donc de 9€ elles sont passées à 4,50€. Et là j'ai dit bah là c'est clair que ça vaut trop le coup quoi. Pas 4,50€, 4,95€. Et franchement ça suffira mais largement. Il y avait le modèle en expo pour voir un petit peu. Les plaques sont quand même assez grandes, franchement. Pour le prix. Attendez, bon, j'arrive pas à le sortir. Mais non, elles sont quand même assez grandes. De toute façon, elles font ce diamètre-là. Du coup, ça me donne trop envie de faire une pâte à pizza, tu sais. Et de faire une pizza et de faire des pizzas ce soir. Ensuite, bon, alors j'ai racheté. J'ai fait un petit stock de mouchoirs. Alors déjà. Toujours une boîte carrée pour dans la salle de bain parce que je le mets dans un endroit précis. Bref, il faut une boîte carrée. Ensuite, j'ai repris bah, des mouchoirs comme ça, quoi, des paquets pour pouvoir en porter partout parce que on avait que, vous savez, les mouchoirs verts qui sentent l'eucalyptus. Ouais, elles sont comme ça. Voyons, vous voyez, elles sont quand même vachement grandes. Hein, ça suffit largement là, pour pizza, ouais, pour les étages. Donc nickel. Franchement, je suis contente. Je vais tomber là-dessus. Ah oui, on a acheté ça. Bon, je le connaissais, hein. Mais du coup, c'est vrai que je crois que je ne l'ai jamais présenté, ça. Voilà. J'en buvais beaucoup quand je bossais dans le commerce et que je prenais, en fait, je prenais cette boisson pour la journée, quoi. C'est façon infusion glacée hibiscus framboise. Je vous garantis, c'est de la bebon. C'est de la bebon, ça. C'est de la bebon. C'est de l'ASMR, regardez. Attends, je vais essayer de faire l'ASMR. Trop bon. Il va vous faire péter les bulles, là. Bon, je peux continuer. Ensuite, un paquet de mouchoirs aussi pour l'école d'Aria. J'ai oublié de prendre ça. Il me fallait des cotons-tiges. Encore une boîte de mouchoirs pour la maison. Du pain aux céréales pour ce midi. Ah oui, il y en a encore. À Action. C'est vrai? Ah non, c'est le truc anti-dessèchement là, pour absorber l'humidité. Ouais.
Evan voulait goûter de la viande séchée, moi je connais, j'adore ça, je trouve ça super bon, par contre c'est méga cher. C'est pour ça que j'en achète jamais, mais vu qu'Evan voulait tester, il s'en a pris et il aime. Ouais. Il aime beaucoup. Non, mais après... vraiment, il y avait que dalle dedans. Ouais. 20 grammes. Non mais franchement, il y avait quoi? Allez, à tout péter, 8 bouts. Même pas. Le 5, je suis même pas sûre qu'il y a 6, 7 comme ça. Ouais. 7 morceaux, on paye ça 2 euros, enfin bref. Mais après, c'est vrai que c'est très bon. Ouais. Des croquettes pour Mimine, toujours. Ouais, parce que Mimine, j'ai l'impression qu'elle fait que de bouffer. Hein. Le brocoli, alors j'étais choquée du prix du brocoli. Maintenant, c'est 1,50€ le brocoli, alors que normalement, c'est 99 centimes. Ça dépassait jamais les 1€ le brocoli. Et là, ça a augmenté. Je trouve ça... Voilà. Ça, hier... Non, pas hier, avant-hier, quand on a fait les courses, là, à Inter. Mmh. Je vous disais que le prix des pommes de terre, ça avait... Hier, moi. Niki ! Bon, j'ai dû... Niki est en train de se barrer alors qu'il y avait une camionnette de facteurs qui passait. Et du coup j'ai dû aller la chercher. Ouais, je vous disais, les brocolis... ça dépassait jamais les 1€. Ça dépassait jamais les 1€. Et là, c'est 1,50€. On en prend 2, on en a pour 3€ de brocolis. Alors qu'avant, on en avait pour 2€ 2. Quoi. Bref. Et je me suis pris... 5 kilos d'oignons, voilà, parce que quand on était aux courses chez Inter, le filet de 4 oignons jaunes, il était à 2,49€. Là, il y avait le filet d'oignons jaunes à 3,49€. Et il y en a 5 kilos. Il y en a beaucoup. Voilà, je les achète toujours quand c'est en 5 kilos comme ça, parce que je sais que ça me dure un long moment. Même souvent, des fois, soit c'est ma mère qui en achète des 5 kilos et elle me donne la moitié, soit c'est moi qui en achète et je lui donne. Mais c'est vrai que ça dure un long moment, quoi. Et puis au moins, je suis tranquille là pour, je pense, presque tout l'hiver en fait. Hein. Ouais, ça va me tenir au moins 3 mois, ça, c'est sûr. Ils ne pourrissent pas. Ouais, j'espère pas. Non, mais je les laisse dans le garage, donc ça devrait aller. Allez, je vais ranger tout ça et on va chercher les démons. Alors, il est 13h50, les enfants sont retournés à l'école, ça s'est super bien passé la rentrée. Je ne vous ai pas pris entre midi et deux parce que, évidemment, c'était un rush complet, puisqu'en plus de ça, on est rentré tard ce matin. Et du coup, j'ai pas pu préparer le repas en amont, etc., etc. Comme je vous avais dit que j'allais changer d'organisation, mais bon, là, c'était un peu le rush. En fait, il faut que je fasse ça à partir de lundi, je vais essayer de m'organiser, de faire des repas, faire des boîtes, des lunchbox, etc. Du moins, je vais essayer, hein, parce que je vous le dis, j'essaye de le faire. J'aimerais le faire, mais il me faut la motive, en fait. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de montage à faire. Je vais prendre ça. Je vais prendre un café que j'ai fait derrière, là. Café et je vais me mettre sur l'ordi et je vais travailler parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En fait, j'ai beaucoup de vidéos à monter, faire des voix off, ça prend longtemps. Donc je vais faire ça. Voilà. Et là, vous savez, quand on se fait percer, une petite feuille informative avec ce qu'on doit faire, comment le désinfecter, machin et truc. En fait, je suis allée chercher le sérum Phi, mais j'ai oublié le gel nettoyant désinfectant. Donc, je sais pas si je suis obligée d'aller en acheter ou si juste quand je me lave le visage avec le savon, ça suffira. Mais souvent, c'est comme ça, mais je me rappelle plus comment je faisais pour les autres piercings, en fait. Celui-là, ça y est, je l'ai changé. Celui-là, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais celui-là, du coup, je l'ai changé. J'avais la barre avec... comme ça, en fait. J'avais la barre et je voulais un anneau. Donc, ça y est, je l'ai changé. Et en fait, je lui ai demandé à la personne si elle pouvait me dévisser un petit peu la boule. Parce qu'en fait, elle était tellement vissée fort que j'arrivais pas à la dévisser. Et du coup, j'ai jamais pu changer ce piercing. Et là, enfin, elle me l'a dévissé. Donc, j'ai pu changer. Voilà. Allez, je vais m'y mettre. Alors là, il est 17h34. Les enfants sont rentrés, là, depuis une heure. Nolan n'a pas de devoir ce soir. Franchement, je pensais qu'il allait avoir des devoirs dès le premier jour, parce qu'en général c'est comme ça. Mais non, là il n'a pas de devoir. Par contre, moi oui. Je suis sûre que vous aussi,
quand c'est la rentrée, vous appréhendez ce moment où ils vous ramènent tout un tas de papiers à remplir, à donner. Oh, tu marques ton numéro de téléphone 10 fois, ton nom 10 fois, ton adresse 10 fois, ta date de naissance 10 fois, le nom de ton enfant 1000 fois. C'est chiant, quoi. Ah ben voilà, j'ai fait ça depuis tout à l'heure, donc voilà, ça c'est fait. Là, on se prend un petit apéro. La pâte à... Je vous l'ai dit ou pas? Je sais pas si je vous l'ai dit, bref. J'ai fait une pâte à pizza, là, dans le cookéo. Dans le monsieur cuisine. Elle est en train de reposer, mais là, normalement, 18h, elle est censée être déjà bonne, donc je vais pouvoir la... Parce qu'en fait, il faut la laisser reposer 2 heures. Donc, je l'ai préparée, j'avais fini de la préparer à 16h. Après, j'ai fait un genre de mini coma. Je me suis mise... dans le lit et en fait je suis partie en coma. Mais bon, évidemment pas longtemps parce que moi un pet de mouche ça me réveille à maison, donc Pourtant t'as choisi le bon moment pour te reposer. Ouais, bah, fin de journée. Toujours pareil. Et du coup moi j'ai fait un mini coma, mais bon, pas vraiment reposant. Vous savez, quand après vous vous réveillez, c'est pire encore que quand vous vous êtes endormi. Hyper fatigué. Et donc ce soir pizza. Je vous montrerai, je ferai 3 sortes différentes du coup. Moi j'ai envie de faire la mienne, tu sais, façon flammkuchen, avec des lardons, des oignons et tout, un peu style comme ça. Ouais. Après je pense que j'en ferai une spéciale enfant, avec des knacks, des bouts de knacks dessus, de la sauce tomate. On appellera kids. Ouais, mais la kids. Et après, je sais pas, il faut que je regarde, avec du fromage aussi. Avec du fromage. Non? Ouais. C'est du fromage, c'est bon. Et voilà. Sinon, le premier jour, c'est bien passé pour tous les deux. Nolan, c'est bien passé. Le seul truc ça, qui nous embête un peu, c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser son stylo à plume. Lui qui voulait absolument un stylo à plume et tout, il était super fier de pouvoir écrire avec. Moi, j'avais acheté les cartouches, les effaceurs. Évidemment, les effaceurs, ça se vend pas à l'unité, hein, c'est toujours par 4. J'avais tout utilisé, enfin j'avais tout acheté et tout. Enfin bon, il n'a pas le droit de les utiliser. Donc un peu deg. Donc on lui a dit qu'il l'utilisera pour les devoirs, quoi, mais bon, c'est pas pareil. Mais bon, sinon non, tout va bien. Pour l'instant, ça se passe bien avec Nono. Jour 1, ok. Aria, on savait que ça allait bien se passer. Elle aime bien, donc. Au fait, t'as pensé quoi de sous sa coupe? Ah oui, il faut que je vous raconte. Ouais. Sur un vlog, on vous avait dit qu'on allait regarder le film Sous sa coupe. Coupe, hein? Ouais, voilà, c'est ça. Qui sortait hier, etc. Et tout, j'avais vu les extraits, ça m'avait l'air trop bien. Il est pourri, de chez pourri. Alors déjà, hein, il a mis du temps à se mettre en place, donc bon, voilà. Le début, c'était un petit peu le style Le Diable s'habille en Prada. Une meuf acharnée qui travaille pour une patronne hyper connue. Ouais, c'est un peu ce style, ouais. Le problème, c'est... Je vous raconterai pas la suite parce que si vous voulez aller le voir, voilà. Mais en gros, mais la fin, mais plus pourri que ça, tu meurs en fait. Mais j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, ça se finit pas comme ça. En fait, si. Alors j'ai dit, ouais, d'accord. Hein, pourri, hein, je vous le conseille pas, celui-là. C'est sur Netflix, mais je vous le conseille pas. Ou alors, si vous voulez voir un film pourri, je vous le conseille. Voilà. Mais bon. On entend vos suggestions. Ah ouais? Si vous avez des films ou des séries à nous recommander, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bon. Pour l'instant, on est sur Alma, mais c'est bientôt la fin, là. Ouais, mais non, c'est fini, Alma. On l'a fini. Ah, mais oui, on l'a fini, mais oui, je suis con. On l'a fini, on parle. Bah oui. C'est vrai qu'on l'a fini, ouais. On l'a fini, ouais. Bon. Alors, on a pu en regarder. Plus rien. Bon, on attend vos commentaires, du coup. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h39. Les enfants sont enfin au lit. C'était compliqué ce soir. Je pense que c'est le fait que ce soit la rentrée, que c'était le premier soir, tout ça, enfin l'excitation, tout ça. Et donc du coup, ouais, surexcité. Compliqué le coucher. Moi ce soir... Je vous explique même pas. À la base, je voulais donc faire des pizzas. J'avais fait la pâte à pizza et tout que j'avais cherché sur le
sur l'application Coucomics et tout. J'avais regardé les avis. Les avis étaient super bons. Enfin, vraiment, la recette, t'as l'impression qu'elle était top. Et en fin de compte, mais je m'en suis rappelé après. Hein. Donc, je vous avais dit, il faut laisser poser la pâte pendant 2 heures. J'avais tout pris. Enfin, j'avais tout mis aux ingrédients prêts, toute la recette. Enfin, j'avais vraiment tout suivi à la lettre. Au bout des 2 heures, j'avais même laissé poser un peu plus. Je commence à sortir la pâte. Et en fait, j'ai commencé à vous filmer. Mais je vais pas vous le mettre le passage parce que c'est tellement catastrophique. Donc, je commence à dégazer la pâte et je me rends compte qu'elle était hyper, hyper collante. Donc là, je me dis, bon, je vais rajouter la farine. Donc en fait, je rajoute la farine, ça collait encore plus. Je rajoute encore la farine, ça collait. Enfin, c'était impressionnant, ça ne s'arrêtait pas de couler. Donc du coup, ça m'a foutu les nerfs parce qu'en plus, il restait jeu. Parce que sur la recette, il y avait bien marqué que ça faisait 2 pizzas. Donc moi, je me suis dit, oui, peut-être 2 grandes pizzas, je pourrais faire 2 moyennes comme les moules que j'avais, etc. Je regarde la pâte, il restait à peine pour une pizza de mon moule là. Donc déjà je me suis dit ouais en fait on va faire quoi, on va faire une pizza se partager à 5, ça va pas le faire, voilà. Je me suis dit tout ça pour au final ça, bon bref ça fout les boules. J'essaie de l'étaler, impossible de l'étaler, enfin franchement c'était une catastrophe. Et en fait je pense que c'est dû à la farine. Parce que dans la recette, enfin dans les commentaires, j'ai regardé et en fait il y avait plein de personnes qui disaient comme quoi avec la farine T45 ou T55, ça ne fonctionnait pas bien. Et qu'il fallait vraiment prendre la T00 ou T, ou vous savez les pâtes à spéciales genre qui disent pizza là. Et donc voilà, donc en fin de compte je me suis tellement vénère que en fait j'ai balancé la... Ouais je sais, je fais jamais ça. Mais là j'étais tellement vénère, en fait j'ai balancé la pâte à la poubelle, ça m'a gonflé. J'en avais plein les mains, j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'en avais partout sur la table, bref. C'était une cata, donc me voilà sans pâte à pizza. Donc là je me dis en fait je fais quoi, parce que du coup il était déjà presque, c'était quelle heure, 19h au moins quand j'ai commencé à ouais un peu, ouais 19h moins le quart. Et là j'ai dit mais attends cette heure-ci je vais faire quoi. Donc du coup j'avais plus du tout d'inspi, en plus j'avais plus la motive, bon j'étais bien vénère donc voilà. J'ai sorti des pommes de terre, des oignons, des courgettes et des aubergines. J'ai tout coupé en cubes, j'ai mis, vous savez, préparation avec huile d'olive, tous les épices et tout. Et j'ai mis à l'air fryer, sauf que j'en avais mis tellement une grande quantité que ça a mis 3 plombes et demi à cuire dans l'air fryer, que d'habitude ça me le fait jamais. Mais là en fait j'en ai fait beaucoup trop pour la capacité. En plus j'avais pris le petit air fryer, pas le gros. Alors bon bref, franchement j'ai tout foiré là ce soir. Mais vraiment tout. Hein. Donc bon j'avais bien les boules. Ça, ouais, comme je vous ai dit, on a mangé limite les pommes de terre à moitié crues. Enfin bon, et là on va se mater Seigneur des Anneaux. Pour un peu se détendre en pensant à la journée de demain. Voilà, enfin se retrouver. Non, parce que quand on calcule bien, Evan, ça fait 3 mois qu'il est à la maison. Donc en fin de compte, ça fait 3 mois complets que je n'ai jamais été un seul jour toute seule. Si, sauf les 3-4 jours où ils étaient chez mes parents, là, mais bon. Voilà, en gros, voilà, ça fait 3 mois qu'on était... Déjà qu'on était... Enfin, ouais, que j'étais pas toute seule moi, quoi. Donc voilà, demain j'amène Nolan Aria à l'école. Après, je vais passer au collège. J'amène Evan. Normalement, il aurait dû avoir cours que de 9h à midi. Sauf que hier, j'ai reçu un SMS en disant comme quoi, en fait, il avait cours de 9h à 16h. Donc en fait, quand j'ai vu ce SMS, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je te laisse le plaisir de lire ce SMS. Il était écouté. Du coup, il a cours de 9h à 16h demain. Mais bon, au moins, voilà, ça me permet de pas courir partout, parce qu'en fait, s'il avait cours de 9h à midi, vous le savez, je vous ai déjà expliqué, c'est pareil que l'année dernière, parce qu'il retourne au même collège qu'il était déjà en 6e et 5e.
Donc, il n'a pas de bus à midi en semaine. Il en a juste un le mercredi. Mais en semaine, il n'a pas de bus à midi. Donc, j'aurais dû aller le ramener à 9h, le rechercher à midi. Sauf qu'entre-temps, j'aurais dû rentrer chez moi pour chercher les deux autres, donc Nolan et Aria, à 11h30. Puis retourner, ça m'aurait fait des allers-retours de ouf. Enfin, voilà. Donc, moi, ça m'arrange qu'il soit là-bas jusqu'à 16h. Comme ça. Au pire, j'irai le chercher à 16h s'il n'y a pas de bus. Et bon, bah, ça me fera moins déjà d'aller-retour que me speeder, faire que ça, en fait. Oui, il m'a dit qu'il stressait quand même un petit peu de reprendre les cours. Normal. Donc, voilà. Mais bon, j'ai pas peur pour lui. Après, il aime bien, lui, le collège. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Autrement, du coup, mon nez, je l'ai pas lavé. Vous savez, je vous avais dit, normalement, il faut un savon antiseptique, machin, truc. Mais en fait, quand je me suis lavé le visage avec mon savon pour visage, j'ai lavé comme ça. Et après, j'ai juste désinfecté avec le sérum Fi, comme elle me l'a conseillé. Et en fait, c'est ce que je disais à David. Je n'osais pas moucher. Je me suis dit, mais comment je fais en fait? Je vais avoir soit mal ou. Je sais pas moi. Du coup, en fait, j'ai quand même réussi à moucher. Parce que ça, je sais pas. Enfin, moi, après la douche, il faut absolument que je me mouche. J'aime pas. Après, on a des. Enfin, bref, j'aime bien moucher après la douche. Donc là, je me voyais pas ne pas moucher après la douche, quoi. C'est comme me laver les oreilles. Si je sors de la douche et que j'ai les oreilles mouillées, ça m'angoisse. Donc, du coup, il faut absolument que je passe un contre-tige derrière. D'ailleurs, du coup, le piercing là que j'ai changé aussi, nickel. Ça m'a pas fait mal ni rien, donc voilà. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.